Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour le niveau 5 de la solution. Je suis toujours avec Elenia, salut. Salut! Toujours en direct du Japon aujourd'hui. Voilà, c'est Alors ça. comme je disais, ça... Merci Ouais. Internet pour nous rendre possible ça. Ça fait plaisir de se parler d'aussi loin, d'enregistrer des vidéos, c'est plutôt cool. Alors... pour ceux qui n'ont pas bien suivi, on est dans le niveau 5, l'ancien château. Là, on a trouvé 100 rubis. Et on vient d'ouvrir une porte. En tuant les deux monstres qui étaient dans la salle. C'est ça? Oui, il fallait tuer les monstres pour pouvoir ouvrir la porte. Alors ici, il y a un coffre qui contient la boussole, ce qui est un tout petit peu différent des premières versions. Parce que plus le temps passe, plus je fais des mises à jour un petit peu annexes pour améliorer certains problèmes. Donc là, par exemple, le monstre nous donne une clé, alors qu'auparavant, la clé était dans le coffre que j'ai ouvert il y a 30 secondes. Bon, c'est un petit détail. Alors la particularité de ce donjon, je pense que tu t'en souviens, Voilà, c'est. c'est eux là. Il vaut mieux pas faire un jet de patte de trop en avant. Les monstres noirs, donc eux, ils n'ont pas pour but de vous tuer, mais de vous capturer et de vous envoyer en prison. Donc il y a des phases d'infiltration. Alors ça nous arrivera peut-être. Donc là j'utilise la petite clé. Alors le château, vous avez pu le visiter dès le début du jeu presque. Avant qu'il soit envahi par les monstres. Hein. Ouais. C'était un lieu touristique. Il a un petit peu changé depuis. Ça a bien changé. Ici, vous devez allumer les quatre torches, ce qui a pour effet d'ouvrir la porte ici. Très classique. Mais c'est pas la peine d'aller par là tout de suite. Très classique, ouais. Ah, on a le maximum de rubis. Tant mieux. On va pouvoir acheter maintenant, avec 300 rubis, on va pouvoir acheter la bourse de rubis numéro 3, qui a une capacité de 999. Alors là, il faut pas passer dans le champ de vision des gardes. Ils ont tous un champ de vision vraiment droit devant eux. Ah, bah voilà. Voilà, donc Comme je suis. ce passage-là Exemple de capture. était pas évident. On va voir tout de suite comment faire pour Ouais. se délivrer. Ouais, alors là c'est un peu n'importe quoi pour se délivrer. Cette serrure est fermée. On est Mais si vous embêté. parlez encore à la serrure, c'est tellement rouillé que même la grande clé n'y ferait rien. Il y a peut-être un moyen d'ouvrir, de forcer cette vieille serrure. Et au bout du quatrième coup, vous tapez dessus, ça marche. Enfin, on appuie juste sur espace, quoi. Alors après, pour sortir de là, selon les fois où vous faites capturer, aléatoirement, les portes sont ouvertes ou fermées. Donc c'est pas toujours le même trajet qu'il faut faire pour s'en sortir. Serrure fer, aucune de tes clés ne semble rentrer. Faudra revenir ici plus tard. Là, faut passer derrière, mais il faut vraiment coller la barrière. Et puis... Parce que si vous êtes trop près derrière lui, il vous sent. Et voilà la carte. Donc en fait c'est bien On qu'on sait bien s'est de se faire fait... Voilà. capturer une fois. Ouais, exactement. J'ai pas fait exprès pourtant. Donc celui-là, il suffit de le suivre de pas trop près par contre. Voilà. Alors là, il y en a un autre. Bah celui-là, on l'a déjà vu tout à l'heure, on était derrière lui. Voilà. Voilà, faut passer loin comme ça. Là, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il y en a deux. Oui, c'est une question de timing et de patience. Là, faut pas sortir trop rapidement des petites cachettes sur le côté. Ah, cours, cours.
cette phase d'infiltration, c'est un petit hommage à Ocarina of Time. Je crois que c'est le premier Zelda où il y avait un petit peu des infiltrations comme ça. Il y en a aussi dans Wind Waker, Majora's Mask, il me semble aussi. Oui, c'est devenu un peu un classique aussi. Nous revoici à l'entrée principale. On a la carte. On a la boussole. On va refaire le même chemin, mais on va essayer de pas se faire capturer cette fois-ci. Et donc là, c'est un peu délicat parce qu'il n'y a pas seulement le timing, mais aussi il faut se placer assez exactement, en fait. Il faut se cacher derrière les torches. Alors une fois qu'on est ici, on est tranquille, il n'y a plus de garde dans le reste de ce secteur. Oui, là c'est des énigmes plutôt classiques avec différents interrupteurs et puis le premier. Un œil à percer. Mmh. Et puis des interrupteurs de torches, voilà. Alors après, là, il va falloir emmener en fait un bloc jusqu'ici, à cet endroit précis, pour pouvoir s'emparer du deuxième bloc. Et le deuxième bloc va nous servir pour la suite. Parce que le but, ça va être de passer là. Pour l'instant, on peut pas du tout passer. Ah, donc on va amener un deuxième bloc qui va nous permettre de passer. C'est les blocs en série. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'énigmes basées sur les blocs dans ce jeu. Hein. Les blocs et les statues. Ah bah je peux plus passer, c'est malin. On va faire comme ça. Si vous préférez, vous pouvez mettre une bombe. Et puis dans ce jeu aussi, toutes les énigmes, j'ai trouvé, sont... les indices donnés sont vraiment importants. Il faut vraiment les prendre au sérieux si on essaye de... Enfin, j'ai essayé de les ignorer de temps en temps, ça m'a bloqué tout de suite. C'est vrai que par rapport aux Zelda officiels, les indices ils sont importants, comme tu dis. Ils sont pas là juste pour débloquer les gens qui arrivent pas à trouver par eux-mêmes. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont indispensables. Bien souvent, dans le niveau 4 par exemple, on a vraiment besoin de l'indice qui explique qu'il faut poser une bombe à l'intersection des 4 coffres. Et puis dans ce niveau-là, justement, aussi, très important. Et bien sûr, l'indice n'est pas du tout à l'endroit où l'énigme a lieu. Oui. Ça serait trop facile. Donc on a bloqué le tapis roulant qui est ici, pour pouvoir pousser le deuxième bloc. À ce niveau du jeu, on est assez habitué à pousser des blocs, on voit à peu près où ça ça pourrait coincer. Si vous arrivez à finir le jeu, vous êtes forcément des experts en poussage de blocs. Obligatoirement. Et en labyrinthe en tout genre aussi. Et en décryptage d'indices. Et voilà. Ça y est, on peut passer. Et ensuite, là, on peut se demander ce qu'il faut faire. Voilà, qu'est-ce qu'on a gagné maintenant? À quoi ça sert? Eh bien,
Il y a un sol fissuré en bas. Alors on va essayer d'envoyer une bombe dessus en utilisant les tapis roulants. Oui, très pratique, on peut passer les bombes à... de l'autre côté des murs. Voilà, on a fait tomber un bloc à l'étage du dessous. Alors si on regarde la carte, qu'est-ce qui se passe en dessous? Il y a une salle avec un coffre. On n'y est pas encore allé. Alors c'est parti. Il va falloir repasser nos amis dans l'autre sens. Ce qui n'est pas plus facile. Je pense que c'est plus difficile même dans ce sens-là. Je suis pas sûr d'avoir réussi. Je sais même pas si je peux venir là. Oula. Oh. Oh, bravo. C'est plus dur pour moi, je trouve, que dans l'autre sens. Oui, mais qu'est-ce que je fais? J'ai pas la grande clé du tout. Donc le bloc était tombé quelque part par ici. Là, on peut pas aller plus loin pour l'instant. Donc on voyait un garde noir de nouveau. Deux interrupteurs, celui-ci il ouvre une porte. Et l'autre c'est un interrupteur de cristal. On met une bombe dessus. Là il n'y a pas trop de problème, on a largement le temps je pense. Voilà. Donc là faut rester bien en bas. Puisque comme ils ont un champ de vision qui est vraiment droit devant eux, ils n'ont pas tellement de vue latérale. C'est pas très réaliste. C'est pratique. Voilà, pour et on nous. Est ici. Ouais, ça nous arrange bien. Et si on retrouve le bloc qu'on avait fait tomber depuis l'étage du dessus? Voilà, si on essaye de marcher sur les flèches. Ouais, là on n'y arrivera pas. Voilà, ça ne nous amène à rien. Donc faut s'accrocher avec le grappin. Et on a la grande clé. Ensuite, il faut revenir en arrière, ça c'est la porte du boss. Ce qui est assez original dans ce donjon, c'est qu'on a déjà été de l'autre côté. Au tout début, dans la phase d'introduction du donjon. Alors, donc là il faut revenir en arrière, vous pouvez poser une bombe sur le cristal et faire le chemin inverse. Mais il y a une petite astuce que j'aime bien, c'est ça. C'est d'utiliser les bottes de Pégase pour rebondir contre le mur. Ah, belle astuce. Dans Link to the Past, il faut utiliser cette astuce pour atteindre une salle secrète dans le tout dernier donjon avec des fées dedans. Et j'avais pas réussi à trouver tout seul à l'époque cette astuce. Donc j'ai triché et je suis allé voir une solution. Parce que c'est quand même difficile à trouver. Hein. Alors, j'ai des fées dans mes deux flacons. Encore une mini énigme de bloc. J'aime bien les blocs. Hein. Elle a l'air très facile cette énigme de bloc jusqu'à maintenant. Là. Serais-tu en train de sous-entendre que ça cache quelque chose? Pourquoi il peut plus passer lui? Alors ici, faut utiliser les bottes de Pégase. Sinon vous êtes à peu près sûr de vous faire blesser. Alors, nous voici sur la terrasse intermédiaire du château. On a une belle vue. Retour au premier étage. Un petit labyrinthe de téléporteur. Avec un fragment de cœur caché. Voilà. Et voilà l'indice dont tu parlais. La clé de l'énigme est de tourner autour des pots dans le bon sens. Voilà, donc il faut y penser. Trouver des pots. Mais on sait pas trop où.
ce labyrinthe de téléporteur, il n'a pas de difficulté particulière. Et voici la plume. Alors, le graphisme de la plume, il vient pas de Zelda, il vient de Super Mario Kart. Ah, oui, effectivement. Ça ressemble. Et là, l'astuce, c'est de sauter deux fois par-dessus le téléporteur pour atteindre le fragment de cœur. Donc la plume. Pour utiliser la plume, ouais, je vous conseille de rester sur place, de ne pas appuyer sur les touches de direction du clavier, et juste uniquement appuyer sur la touche de la plume, et il avance tout seul. Oh. Parce que si vous sautez en avançant, ça marche aussi, mais c'est moins précis. Alors, quand vous devez franchir un trou, que vous ne voulez pas tomber dans le trou, il vaut mieux s'arrêter juste devant le trou, et appuyer sur la touche de la plume. C'est pas tout à fait comme la plume de Link's Awakening. Oui, tu disais ? Donc la plume qui va nous débloquer plein de passages à l'extérieur du donjon par la suite aussi. Et qui fait sauter exactement d'une... Enfin... d'un une pas case, en fait, ouais. D'une case. Oui. Alors voici les fameux pots. Donc voici faut tourner les autour. Pots, oui. Ouais. Dans le bon sens. Alors ben, il suffit de tourner autour et vous essayez un sens au hasard. Et là, coup de chance, c'était le bon sens. Dans les profondeurs du donjon, un mécanisme se déclenche. Ah, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise parce que j'ai besoin des blocs pour sortir là. Il fallait pas que je le pousse comme ça. Ah, donc deuxième partie. De là, vous voyez, vous pouvez plus sortir. Oui, d'ailleurs, un indice comme tourner autour des pots dans le bon sens, ça c'est un vrai challenge pour la traduction. Ouais, en plus, je sais pas pourquoi j'ai appelé ça des pots. Enfin, je savais pas trop comment appeler ces machins. Parce que ce genre d'expression n'existe pas forcément dans les autres langues, donc. Faut trouver autre chose. Alors voilà, il faut réutiliser les blocs pour pouvoir vous sortir d'ici. Donc on se demande avec 5 flèches comment pouvoir sortir avec seulement 3 blocs. Et en plus vous pouvez pas vous amuser à sauvegarder, quitter le jeu et relancer. Puisque quand on relance le jeu, on commence à la dernière entrée de donjon ou de caverne qui a été empruntée. Ce qui fait que là, vous allez vous retrouver, si vous essayez de faire ça... juste à l'extérieur, sur la terrasse, là. Juste où on était à l'instant. Voilà, comme dans tout Zelda qui se respecte, il faut également utiliser l'objet spécial. L'objet spécial du donjon. Voilà. Voilà comment il faut placer les deux blocs, et ensuite, plus qu'à utiliser la plume. Et cette astuce reviendra plusieurs fois dans le jeu, je crois, si je me souviens bien. C'est tout à fait vrai. Notamment pour aller jusqu'au donjon 7. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a déclenché un mécanisme secret dans les profondeurs du donjon. Si vous regardez la carte, il reste plus beaucoup de coffres. Il y en a un en bas, justement. Alors, le plus simple, c'est peut-être de se faire capturer volontairement. Justement, celui-là, on l'avait pas vu tout à l'heure quand on s'était fait capturer. C'est bizarre. Non. Très téméraire. On n'a même pas vu le garde. Non. Il n'avait aucune chance. Et on aperçoit. Faut pas trop se mettre trop près dans la porte comme ça. Oui, pardon. Oui ? On aperçoit le coffre, là. Voilà.
ce coffre qui n'existait pas, donc il sait très bien. Le seul problème, c'est que maintenant, on peut plus se cacher dans ce petit coin. Alors, faut aller vite dans le deuxième. Ah, bah, j'ai pas réussi. Ouais. Alors, parfois, ces portes-là, je vous disais, elles sont ouvertes. Mais là, c'est toujours pas le cas. Par contre, maintenant, celle-ci, elle est ouverte. Ça ira mieux avec les bottes de Pégase. Ah, c'est bon. C'est difficile, hein, ce passage. Oui, c'est difficile et je crois que sans utiliser les bottes de Pégase, c'est vraiment, vraiment difficile. C'est un avion, là, qu'on entend ? Ah oui, c'est ça. Oui, c'est l'aéroport. Ah oui, oui, j'ai entendu cette fois-ci. Je m'excuse. Non, on n'entend presque pas. Veuillez m'excuser d'habiter près d'un aéroport international. Ah, c'est très pratique pour revenir en Europe, par contre, mais... Ouais, c'est ça. Alors, grâce à la plume, vous pouvez aller plus vite vers ici. Et voici la porte du boss. Maintenant, il reste plus qu'à aller tuer le boss. Il n'y a plus de musique. Oh. Revoici notre ami le sorcier Aghanim. Alors, il tire des boules de feu, il faut lui renvoyer avec l'épée. Certaines fois, il tire des boules de feu orange et c'est très bien, comme là. Et d'autres fois, voilà. Les bleus, celles-là, vous pouvez... Il faut juste les éviter. Parce que si on les touche avec l'épée... Si on les touche avec l'épée, elles explosent et elles nous font perdre des cœurs. Donc les bleus, c'est vraiment terrible. Et en plus, elles rebondissent longtemps. Oui, comment ? Oui, et elles deviennent rapides. Ouais, plus elles rebondissent, plus elles vont vite. Alors c'est bien de rester droit devant comme j'ai fait là pour qu'elles rebondissent pas trop en diagonale. Parce que sinon après ça devient incontrôlable et c'est très dur à éviter. Oula. Oups. J'ai mis pause sans le vouloir. Après, il en tire plusieurs à la fois. Donc c'est encore pire. Ah, c'est vraiment l'horreur. Mais comme t'as toujours... Vu, il t'avait posé des problèmes, celui-là ? Le principe est assez classique de Zelda, donc... Ouais, pour savoir ce qu'il fallait faire, ça allait. Mais je crois que j'ai dû m'y prendre à plusieurs fois quand même, par manque de vie et d'agilité. Mais comme toujours, tu t'y prends avec beaucoup de dextérité. Oula. Moi, j'ai quand même perdu pas mal de cœur. Oh là là, plus il tire de boules bleues et plus ça devient difficile. Ça y est. Yes. Même sans utiliser de fée, alors là, je pense que la plupart des joueurs ne... Ouais, mais j'ai... Enfin, le truc, c'est que j'ai passé des heures à le programmer. Enfin, c'est vraiment... C'est compliqué à programmer les boss. Donc forcément, par définition, je suis entraîné. C'est un peu de la triche. Sur ce, je dois vous laisser, il s'en va comme ça. À la prochaine fois. Il est gentil, il nous donne un cœur. Donc là, il y a la petite fanfare qui est en train de jouer, que toi, tu peux pas entendre.
tu l'entendras quand tu regarderas la vidéo. Voilà. Donjon 5 terminé. Eh ben, je crois qu'on va s'arrêter là, du coup. Voilà, donc... Ce fut un plaisir. Eh ben, de même. À très bientôt pour la suite de la solution. Et voilà, et amusez-vous bien à jouer. Amusez-vous bien et bonne chance pour la suite. À plus. Au revoir.